Magalia. On a l'œuf, ginger, onion, alcoyo, chincha, chincha, l'œuf, ginger, ramyeon.
Oh my God. Bon. Regardez le truc de malade. Ils ont mis des coquillettes en fait. Des coquillettes avec du jambon. C'est une inspiration. Coquillettes jambon. Oh mais c'est dingue. Je vois des bouts de jambon. Jambon. Non. Jambon. Et coquillettes. Ça pue, hein. C'est que de la sauce. Que de la soya. Sauce manchica, mais soya. Nanon, biol, sege, chulkoeyo. Je donnerai 3 étoiles. Biol, sege, weo. Alors, pourquoi est-ce que je donne seulement 3 étoiles? C'est bon. Ça a le goût de fromage. Au niveau du goût, il n'y a aucun souci. Ça passe. C'est quand même le goût de fromage un peu chimique, mais ben, ça a le goût de cheddar en fait. C'est le goût de pâte au cheddar. En revanche, ce qui me gêne beaucoup en fait, mais c'est très personnel, c'est l'aspect soupe. Alors c'est clair, c'est de la soupe. Hein? Bon, c'est ramyeon, c'est de la soupe, mais bon. J'aurais tendance à préférer un peu moins de liquide parce que c'est fatigant à manger, ça se plâche partout. Il y en a partout, il y en a partout, partout. En fait, c'est constellé, constellé de tâches. Ça se plâche, ça vous splash dans le nez, ça se plâche pas. Alors après, on peut peut-être les manger effectivement à la façon pâte, mais bon. Juste que, à mon avis, le fromage, c'est quand même fait pour avoir un aspect crémeux et pas liquide. Donc, même s'il donne des mesures, je crois qu'il aurait diminué la quantité d'eau ou en enlever un petit peu avant de mettre les sauces. Ça, c'est mon avis très personnel. Maintenant, une chose très intéressante quand même, mais ça, je l'ai découvert en fouillant dans le plat. Vous avez vu, il y a des petits morceaux de jambon et il y a des petites coquillettes. Et donc, en fait, c'est complètement inspiré de notre plat français qu'on fait systématiquement, surtout pour les enfants, le passe-partout pour tous les enfants, tous les petits, parce que ça, ils mangent forcément, c'est les coquillettes jambon fromage. Alors les coquillettes, là je remets, mais j'ai pas dans un pot, mais c'est ça les coquillettes, vous voyez? Ça, ces petites coquillettes-là, on les fait bouillir, on met du fromage, on met du jambon, et ça fait des pâtes jambon fromage. Et donc, c'est l'inspiration de ces all cheese ramen. Truc de fou, quand même. C'est presque fusion dans ce cas-là. C'est fusion. C'est fusion Coréa et France. Et c'est cool parce que ça me correspond quand même un petit peu. Voilà, voilà. Maintenant, combien je paierai pour ça? Un matchi bowl à la cacao. $7 si vous la cote cacao. Je donnerai $7. Voilà. Ah non. Bye bye. Topo chia yorobon.